Hey, what's up, Bobber? Aujourd'hui, 27 mai, 7h30 du matin. Ça m'a pris comme une envie de chier, faut que je réunisse toutes mes pièces pour remonter une mob, essayer de la revendre et financer une dirt bike. Eh oui, une dirt bike. Parce que, en fait, mon collègue et ami Juju, le pêcheur, il adore la motocross. Et il m'a dit, j'aimerais bien m'y mettre et tout. Donc, ça fait un an que je le tanne et tout. Vas-y, viens, on va faire de la bécane ensemble. Et moi, je voulais me mettre à la dirt bike. Et là, récemment, ça le prend comme une envie de chier, quoi. Il va s'acheter sa dirt bike. Du coup, bah moi aussi, il faut bien que je m'en achète une. Donc, je l'ai trouvé. Je vais l'acheter normalement à un pote des mobeurs de l'estuaire. Mais pour financer un petit peu ce projet, parce que c'est pas donné, hein, une dirt bike. Je vais réunir toutes les pièces que j'ai dans mon garage et tenter de me monter une meule sans le moteur, mais au moins une partie cycle que je vendrai. Je sais pas, à voir au final, mais je sais pas, aux alentours de 200 euros. Enfin, voilà quoi, quelque chose de raisonnable pour quelqu'un qui veut se remettre à la mobylette. Comme ça, il aura une base, quelque chose qui roule, il n'aura plus qu'à acheter son moteur. Donc, c'est parti. Donc là, on a un cadre de Vogue que j'avais commandé avant le confinement et du coup j'avais changé d'idée, je m'étais fait un Vogue, j'avais déjà raconté ça. Donc voilà, c'est bien, j'ai un cadre, j'ai une paire d'amortisseurs, j'ai une fourche de Fox, donc ça va aller dessus. Là-dedans, j'ai un axe de pédalier, une poulie. Je vais pas mettre un pot d'échappement parce que je vais pas mettre de moteur, mais voilà, j'ai des choses, donc je vais remonter une partie cycle. Et comme je vais la vendre sans moteur, je vais voir, enfin normalement je vais la vendre sans moteur, je vais voir pour faire une carte grise pour éventuellement faire grimper légèrement le prix. J'ai également une paire de jantes de RCX. Enfin voilà, le but c'est de vendre une petite partie cycle à prix correct. Si le gars se faisait une mobylette de A à Z avec toutes les pièces, elle coûterait une blinde. Là il aura déjà une bonne base pour commencer. Puis à voir, peut-être que ce projet va évoluer. Enfin ce projet. Cette vente va évoluer un petit peu, peut-être que je vais lui mettre un moteur, je sais pas trop, mais le but c'est que vraiment moi également je m'y retrouve. Je passe pas beaucoup de temps à la faire et que surtout je n'achète aucune pièce. C'est pas un, faudra une deuxième couche. Pour les jantes, eh ben j'avais déjà repeint celle de la RCX, donc voilà, je vais lui mettre celle-ci. Pour les pneus, j'en avais là. Je vais en mettre des vieux, hein. Là-haut, là, les pas beaux. Voilà, tu l'as compris, donc je fais la mobylette vite fait, mais très vite fait. Hein. Ma cible, ça va être quelqu'un qui veut juste une mob pour aller chercher le pain ou faire des balades de temps en temps avec les copains. Pas quelqu'un qui cherche genre un super projet hyper bien fait pour faire une mob de compète. Voilà, je réunis mes vieilles pièces, j'en monte une, je la vends à un tarif raisonnable, propre, correct, bibylette pour aller chercher le pain, quoi. Ok, samedi 30 mai, il y a quelques jours qui se sont écoulés. C'est bien, ça m'a permis de repenser un peu à ce que je vais faire avec cette mobylette. Donc déjà là, je vais aller monter les pneus. Enfin, et pour l'histoire, même si vous en foutez, au début de vidéo, j'ai dit que le vol SpaceX habité, c'était mercredi et ça a été repoussé aujourd'hui. Je crois qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un vol habité SpaceX, j'ai des nouvelles idées dans ma tête. Je sais pas. Bon allez, on reprend. Deux pneus. Ça m'a l'air en bon état quand même. Il y a encore de la gomme et des chambres à air. Non mais je comprends pas, j'ai vu qu'il y a... Je sais pas d'où il vient ce défaut de peinture ici. Bref. On dit bonjour à Gwen. Bonjour Gwen. Et donc ce que je pensais faire, ma chère, avec ce cadre, plutôt que de remonter une brêle complète, et la vendre. J'ai réalisé qu'il me manquait pas mal de choses. Il va falloir que j'achète un moteur, il va falloir que j'achète une chaîne, un robinet d'essence, plein de conneries, les poignées d'accélération. Finalement, tout acheté, je vais la vendre, je vais me faire zéro billet. Donc je vais carrément la vendre à perte. Donc ce que je vais faire, je vais remonter juste un cadre, une base sympa. J'ai graissé. Une petite base sympa. Et je vais vous demander à combien vous l'estimez et si quelqu'un veut l'acheter.
tout ça, on verra ça quand j'aurai terminé. On finit sur mes jolies fleurs. Elles sont chouettes, hein? Eh oui, eh oui. La Black Moped. Bon, voilà, on a une base de montée. On va quand même faire au minimum une selle. Ça, je vais essayer de faire un truc un petit peu sympa parce que j'ai pas de selle, quoi. Pour la selle, je vais mettre une récupération petite selle de skateboard. Je vais mettre de la mousse par-dessus. Ça va donner un petit style hipster. Sympa, moi j'aime bien. Vous verrez ça un peu plus tard. Du coup, je vous raconte. Je reprends dans l'ordre. Aujourd'hui, je filme ça et j'ai filmé la dernière scène sur le Peugeot Renard, sur le Peugeot Fox. Donc, c'est... Ça corrobore également avec le Fox, mais vous verrez un peu plus tard. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et je passe un peu trop de temps sur cette meule, alors j'avais dit que je ne voulais pas passer de temps dessus. On va quand même signer de l'artiste avant de visser les supports et de le mettre sur la meule. Voilà, donc cette planche de skate, je l'ai poncée brièvement. Personne n'ira jamais voir en dessous si ça a été poncé. Et je me répète, mais j'ai pas que ça à faire en ce moment. J'ai des travaux. Bon, on va quand même signer ça. Si c'est un inconnu qui me l'achète, bah, il saura jamais. Et puis si c'est un d'entre vous, bah, j'aurais signé la petite meule. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? Bon, on va signer Alex Moped. On n'en a rien à foutre. On est des anarchistes. D'ailleurs, c'est pas comme ça, c'est comme ça le signe anarchiste. Et voilà, oh la belle marque, oh dis donc. Hop, et voilà la petite selle. Enfin, tout à fait honnête, je ne me suis pas autant appliqué que pour le Fox. Mais voilà, hein. Voilà, très bien, hipster, pour aller chercher le pain, c'est super. Donc la fixation de cette selle, voilà, j'ai soudé un tube à une latte. La latte est vissée au skateboard. Et derrière, juste pour que ça tienne, parce que tu vois, si je mets pas de maintien derrière, elle risquerait de bouger latéralement la selle. J'ai juste mis deux vis comme ça avec des petites mousses de protection pour parier le cadre, pour pas qu'elle bouge. Après, la personne qui l'achètera fixera ça plus proprement comme elle a envie. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait ça comme un gros porc, une vis de part en part dans le cadre. Et visser à travers le skateboard. Mais comme elle n'est pas pour moi, je laisse le futur acheteur faire comme il a envie. Ça se trouve, il aura envie de mettre une vraie selle. Enfin, bref. Et voilà, ça roule bien la connerie. Ça va quoi. Rien de ouf. En fait, j'aime bien. Ça fait un peu. Le guidon comme ça en haut, ça fait un petit peu un chopper, tu sais. La position est sympa. Allez, je t'explique. Ok, c'est parti, conclusion. Donc, vous m'avez vu faire cette meule rapidement, les gars. Si, je récapitule, c'est pour m'acheter une dirtbike en fer avec le collègue. Tiens le chien. Et j'aimerais financer une partie de cette dirtbike voilà, en revendant des pièces de mob. Donc, au début, je m'étais dit... Je vais remonter ça, peut-être que je ferai la carte grise, peut-être que j'achèterai un moteur, peut-être que je vais faire une mob complète et la revendre. Mais voilà, tout bien calculé, il y a quand même beaucoup de choses à acheter pour la terminer. Donc je vais me faire chier à contacter plein de personnes, à payer des frais de port. Ça se trouve, me faire carotte sur des pièces, que ça m'arrive quand même assez souvent, en définitive, de recevoir des pièces merdiques que je dois bidouiller derrière. Bref, je vais revendre une mob, ça ne vaudra pas plus de 300 balles, je vais me faire aucun billet dessus, je vais plus me faire chier qu'autre chose, et surtout, j'ai pas le temps. J'ai des travaux à la maison qu'il faut terminer, donc c'est pas une priorité. Donc, cette meule, je vais la vendre, si possible, si je peux la vendre à un de vous, ce serait mieux. Mais avant de la vendre, bah, dites-moi dans les commentaires à combien vous estimez
Cette meule, genre, tu vois ça sur le bon coin, à combien tu l'estimes? J'ai dit 30 000. Donc voilà, là-dessus, il y a les jantes de RCX avec pneus, chambre à air, le cadre de Vogue, les amortisseurs de SPX, fourche de Fox, mais elle est bloquée. La petite selle faite maison rapidos, enfin tu vois ça, je sais pas, tu penses que ça vaut combien? Non, 30 000. 50 balles, 100 balles, 150 balles? Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con. Donc voilà, t'as mis ton prix dans les commentaires. Maintenant, si je regarde sur, pour me baser sur quelque chose, si je regarde sur le bon coin, si j'achète toutes les pièces une par une, combien je peux en tirer? Donc je vais regarder les prix moyens. Les prix moyens, donc il peut y avoir des pièces pareilles, plus chères et des moins chères. Et si je m'amusais à envoyer tous les paquets, combien je pourrais en tirer à peu près? Alors, on commence avec le cadre de Vogue. Donc je vois 70 euros. Il y en aura carrément à 120. Là, c'est plus SP, 50 euros. Les amortisseurs, voilà, 20 balles, 30 balles, 30, 40. Donc, on va dire en moyenne, voilà, à 20 balles. Les jantes, alors là, ils vendent la jante à 50 euros. La jante à 15, mais il n'y a rien du tout dessus. Tiens, le lot de jantes, les deux jantes, 140 euros. Jante complète, et là, on est sur quoi, là? Ah oui, j'avais filmé. Donc 40 euros la fourche, 40, 50 la fourche. Voilà à peu près les tarifs. Mais voilà, c'est pas le but. Moi, j'ai préféré remonter tout ça. Donc j'espère la vendre à un de vous. Donc le gars doit habiter dans le 44 ou les départements limitrophes. Et puis si c'est pas un de vous, bah tant pis, je la mettrai sur mon coin et on verra bien si elle part. Et si elle part pas, je la mettrai en pièces et je me ferai chier à envoyer les pièces petit à petit. Certainement, j'en tirerai plus, mais je préférerais la vendre entière. Je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire un truc sympa. Cette mob, ça peut être bien pour quelqu'un qui débute dans la meule ou qui s'y remet, ou quelqu'un qui veut se faire une autre mob, un petit daily pour aller chercher le pain. Là, ça fera un petit peu genre la mob comme les kits Del Prado chaque semaine chez ton marchand de journaux. Il achète ça, voilà, il a sa petite base à un certain tarif. Et puis le mois prochain, il s'achètera le moteur. Et le mois d'après, il s'achètera les câbles, les gaines, enfin bref, ce qui manque. Quoi. Donc peut-être que d'ici 3 mois, la meule sera terminée. Voilà, ça peut être sympa, quelqu'un qui n'a pas envie de mettre directement 400-500 balles dans sa mobilette, il commence par ça, il a une bonne base. À voir. Va chercher. C'est là. Donc voilà, idéalement, je préférais la vendre à un de vous. Si ça vous intéresse, vous me le dites, on se contacte, voilà, on s'échangera. Je dirai exactement tout ce qu'elle a en défaut ou à revoir, parce que c'est pas... C'est une mob qui a été j'ai assemblé, qui a été bricolée, donc c'est pas ça sort pas d'usine. Hein. Je dirais absolument tout. Je la vends avec une fourche de MVL qui est bloquée. Quasiment toutes les fourches de MVL sont bloquées, mais voilà, je la donne. Comme ça, si le mec veut remettre en avant, veut s'amuser à la débloquer, veut remettre les capotages, il a ça. Je donnerai également un plateau et 2-3 goodies, on s'arrangera. Bref, t'as compris le truc. Tu me contactes si elle t'intéresse et puis voilà, on se rencontrera et puis je te la vendrai. Ça peut faire une bonne base. Voilà les mecs, c'est tout pour l'aventure de comment on l'appelle cette mob? Comment on l'appelle? Je sais pas, vous me dites dans les commentaires comment vous l'appelleriez cette mob, ce début de mobilette. J'espère que ça vous a plu, et puis c'est tout. Ciao les gars!